Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire un book haul consacré exclusivement à mes achats graphiques donc du mois de mai. Pourquoi je fais ça ce coup-ci? Tout simplement pour alléger mon book haul traditionnel donc qui réunit les deux quand j'ai les deux à présenter, donc des ouvrages graphiques et des romans. C'est vrai qu'il va être quand même pas mal rempli, donc là je me suis dit qu'en enlevant les ouvrages graphiques ça allait permettre de l'alléger un petit peu. D'ailleurs si ça se reproduit je pense refaire la même chose, même si j'ai conscience que les mangas BD et autres, ça intéresse pas tellement, mais c'est pas grave. D'ailleurs, petit aparté, ça fait très longtemps que j'ai pas tourné des updates, pourtant, sur les ouvrages graphiques, je veux dire, pourtant, je continue d'en lire, j'en lis pas mal. Alors, il y a certains que je chronique, il y a certains que je chronique pas, mais c'est vrai que si vous suivez mon blog de temps en temps, normalement, vous en retrouvez là-bas. Donc, j'espère faire le point dans pas très longtemps pour voir tout ce que j'ai à chroniquer et commencer à vous en reparler un petit peu, même si c'est vrai qu'encore une fois le fait que ça plaise pas tellement, des fois bah ça me décourage un petit peu de sortir la caméra, mais je le ferai parce que ça me fait plaisir de parler de certains titres, enfin de tous les titres que je lis, même si certains j'ai moins aimé que d'autres, mais pour ceux que j'ai adoré, bah il faut vraiment que je vous en parle parce que voilà, ça me fait plaisir de les mettre en avant comme ça. Trêve de bavardage, je vous montre un petit peu donc tout ce que j'ai acheté au mois de mai. Je vous ai montré les tomes 4 et 5 dans le précédent book haul et là je vous montre le tome 3 de Six Half de Rikako Iketani. Donc pourquoi je vous montre le tome 3 maintenant? Tout simplement, il me semble que je l'avais dit dans mon dernier book haul, parce que les tomes 4 et 5 je les ai trouvés d'occasion en magasin et celui-ci faisait partie d'une commande qui arrivait plus tard. Donc j'avais commandé ça fin avril, c'est arrivé début mai et c'est vrai qu'entre temps bah, j'étais allée en magasin et j'ai trouvé les tomes 4 et 5. Mais bon voilà le tome qui complète, bah, finalement qui complète le petit trou qui s'était créé involontairement. Et voilà donc je vais pas vous en dire plus que ça, mais voilà ça me fait une série que je vais pouvoir continuer tranquillement au moins jusqu'au tome 5. Pour les amateurs de manga je pense que cette série là vous devez la connaître. Donc au mois de mai je me suis procuré le tome 15 et le tome 16 du manga Vampire Knight de Matsuri Ino. C'est une série que j'ai commencée au moment où elle est parue en France et à un moment où j'ai fait une grosse pause dans les mangas, je l'ai stoppée comme tant d'autres d'ailleurs, ce qui m'empêchait pas d'acheter, de continuer à acheter dans les mangas, mais beaucoup beaucoup moins qu'avant. Et donc c'est une série que j'appréciais beaucoup, que j'ai presque terminée, donc là j'en suis au tome 16 et il m'en manque 3 avant de pouvoir lire la fin, sachant qu'il me reste quand même d'autres tomes à lire avant ceux-là. Mais voilà, j'essaye de la compléter le plus rapidement possible parce que c'est vrai qu'il y a certaines séries qui se sont terminées il y a, je sais pas, il y a 2 ans ou 3 ans où certains tomes sont difficilement trouvables. Pour certains, je pense que je vais galérer, que je suis pas au bout de mes peines. Il n'y a plus qu'à espérer des sorties en manga double et des fois, c'est pas forcément garanti. Donc je sais pas comment je vais faire pour certaines séries. Mais bon, bref, là, je vais essayer de me procurer les 3 derniers tomes assez rapidement. Pour pas me retrouver encore une fois bah, comme 2 ronds de flanc avec une série qui n'est pas complète. Après il y a toujours moyen de les trouver au format numérique mais je suis vraiment pas fan de ce format là pour les livres graphiques. Bref, j'arrête de m'étendre là dessus et je passe à la suite. Au mois de mai je me suis intéressée à ce manga là, donc c'est Pray for Love, le tome 1 de Keito Sakano. Alors je sais plus du tout où je l'ai vu. Après c'est un manga qui à la base ne m'intéressait pas parce que sur la couverture on voit une très jeune fille et une romance avec une très jeune fille et un homme, pour moi ça me posait problème. Donc le contenu m'intéressait pas, j'ai pas forcément été voir de quoi ça parlait, mais en me penchant dessus, je me suis dit que finalement ça pouvait me plaire. En fait on y suit une jeune fille qui s'appelle Amane, qui a des problèmes de croissance, donc qui n'a pas l'âge de son apparence physique. Et en fait son grand-père va décéder, elle va aller au temple prier, suivant les instructions de son grand-père, et là-bas donc elle va souhaiter retrouver une croissance normale pour grandir. Et à ce temps va apparaître le jeune homme qui est sur la couverture qui se révèle être un dieu. Ce dieu en fait dit à Mané qu'apparemment il y a des années elle avait promis de l'épouser et lui va s'accrocher à elle et va s'en suivre donc plein de petites choses avec eux. Je me dis que finalement ça peut être marrant, surtout qu'on va suivre un moment dans l'histoire puisque quand en fait elle embrasse ce dieu, elle retrouve une apparence normale, une apparence qui correspond à son âge. Et ça peut être vraiment pas mal, les dessins sont plutôt jolis, en tout cas moi c'est ce que j'aime dans ce genre là. Écoutez, il m'intéresse pas mal, donc je pense que je vais vous en reparler dans quelques temps, parce que vraiment je suis très curieuse de le découvrir, donc même si je tarde à faire les updates, vous
vous devriez le retrouver dans quelques temps sur mon blog, si vous me suivez là-bas du moins. Pour ce tome-là, en fait, ces tomes-là, puisqu'il y a le tome 9 et le tome 10 de la série Shinobi Life de Shoko Konami, donc je remercie Virginie de m'avoir proposé en fait que je les lui rachète, puisque ça fait partie des séries où les tomes sont quasiment introuvables, et moi pour les trouver, c'est vrai que je suis assez difficile, il y a plein de sites auxquels je ne fais plus trop confiance, et ou alors sur certains sites de toute façon ils sont à des prix mais totalement aberrants. Quand une série comme ça, que ce soit d'ailleurs dans les romans graphiques ou dans les romans tout court, quand des séries sont plus en stock, et bah il y a certains revendeurs qui en profitent, donc moi je ne rentre pas du tout dans ce jeu là. Donc au pire vraiment il y aura la version numérique, mais là je suis contente qu'elle me proposait donc de racheter ces tomes là. Bon après il va me manquer les tomes 11 à 13 pour terminer la série. Donc vraiment s'il n'y a pas d'autre manière pour moi de terminer la série, j'achèterai les versions numériques. Je lirai ça sur mon ordinateur parce que j'ai pas vraiment le choix d'autre chose. Bref, ça reste du manga donc ça ira. Mais c'est vrai que là j'ai bon espoir que Kaze en fait les sorte en manga double comme ils le font pour certaines séries. Donc on verra, mais en tout cas je suis très contente d'avoir pu acheter ces deux tomes et on verra pour la suite. Peut-être, on sait pas, peut-être que je tomberai dessus, peut-être qu'ils seront en vente sur le site de Gibert qui ne devrait pas faire des prix totalement aberrants, mais bref on verra. Là en tout cas je suis très contente d'avoir eu ces deux tomes. Autre série, et là j'ai eu chaud, je vous ai présenté les tomes 2, 3 et 4 dans mon précédent book haul, et là je me suis précipitée sur le tome 5 de Private Prince de Maki Enjoji. En fait la dernière fois que j'ai regardé sur internet, il y avait tous les tomes de dispo, enfin tous ceux qu'il me fallait, certains déjà étaient en indispo, et une fois que j'ai eu tourné mon book haul, je suis retournée voir ce qu'il en était, et le tome 5 n'était plus disponible, au moins en 9. En occasion on retrouvait certains prix qui ne me plaisaient pas. Et je suis allée sur le site de Gibert, ils avaient ce tome 5 en plus en occasion, donc je vous dis pas comme j'ai passé la commande tout de suite, ce qui m'a permis d'acheter autre chose en plus. Bref, donc je suis très contente parce que c'est le dernier tome, et s'il manquait que celui-ci, ça aurait été un petit peu ballot. Donc voilà, hyper contente. Dans cette commande, j'en ai profité pour tester une nouvelle série que j'ai croisée par hasard sur internet, c'est Cœur à Cœur de... Évidemment, il y a l'étiquette qui cache le nom de... Minase Mayu, donc on retrouve le tome 1 et le tome 2. Donc dans cette série, on y suit une bande de jeunes lycéens, on va y suivre leurs premiers émois, et notamment celui d'une jeune fille donc qui s'appelle Imari, qui a peur des garçons, et elle a peur du contact des garçons, et ça m'a tout de suite intriguée et intéressée, puisque c'est vrai qu'il y a un garçon qui va tomber amoureux d'elle, mais voilà, elle le repousse un petit peu, donc je me demande ce qu'elle cache, ce qu'il peut y avoir derrière ce genre de comportement là. Pour les dessins, donc c'est plutôt agréable, ça me plaît assez. Je vous montre un petit peu ça. J'espère que vous verrez bien, j'ose pas trop approcher de peur que ce soit flou. Mais oui, non, je me dis pourquoi pas. C'est une série, il n'y a pas énormément de tomes, on va peut-être pas vous montrer ça. Je crois qu'il y en a 5 en tout, 5 ou 6. Donc voilà, une petite série courte, ça me va très bien comme ça. Pour rapprocher ça un petit peu, donc là encore une fois c'est un des mangas que je pense lire dans pas très très longtemps, donc n'hésitez pas à surveiller mon blog ou à attendre une future vidéo. Ensuite je vais encore vous montrer une série qui ne m'intéressait pas forcément à la base, mais dont j'ai vu des bonnes choses dernièrement, notamment sur la chaîne de Virginie The MM27, sachant que l'autre Virginie que j'ai nommée tout à l'heure c'est une blogueuse, elle n'est pas booktubeuse, donc je vous mettrai de toute façon son blog en barre d'infos, qui est hyper joli. Et Virginie The MM27, vous aurez sa chaîne en barre d'infos aussi. Voilà, donc pour la série, c'est His Beast de Saki Aikawa. Donc voilà, c'est vraiment une série dont je ne m'étais pas forcément attardée plus que ça dessus. Mais je me suis dit pourquoi pas, les avis étaient plutôt bons. Donc j'ai aussi acheté le tome 2, celui-ci d'occasion. Je vous avoue que je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je ne m'en souviens plus. Et les dessins me plaisent beaucoup, là encore une fois, c'est tout à fait mon genre... de coups de crayon, le genre de coups de crayon que j'apprécie beaucoup. Je vais vous montrer peut-être autre chose. Voilà, celle-ci est très jolie. Hop, je vous montre ça. Voilà, donc hop, comme ça c'est peut-être mieux. Voilà, donc encore une fois, c'est un des mangas qui m'intéresse le plus. Mais en fait, je me rends compte qu'il y en a tellement qui me tentent en ce moment que ça va être très dur de faire des choix. Mais celui-ci, vous avez quand même de grandes chances de le retrouver dans pas longtemps. Le prochain manga que je vous présente est déjà lu et chroniqué, c'est tellement rare que je n'hésite pas à le dire quand c'est le cas.
Il s'agit de Entre toi et moi, le tome 1 de Haru Tsukishima. Donc normalement je le prévois dans un prochain update, même si c'est une lecture récente et que j'en ai encore plein à vous parler. Mais je pense que je vous le présenterai. Donc il est vendu à 5,45€. Donc c'est un prix découverte pour les 20 ans de Kana. Ce prix-là sera modifié à partir du 1er janvier 2017, puisque c'est pour toute l'année que les mangas qui sortent, certains titres qui sortent, donc un prix découverte, sont proposés à ce prix-là. Après, ça changera. Donc, Entre toi et moi, c'est un shoujo. Je m'attendais quand même un peu mieux. Ça reste une bonne lecture, mais je vous en reparlerai un petit peu plus en détail dans un prochain update graphique. Celui-ci, ça fait un moment que je veux l'acheter, ce tome 2. J'ai lu le tome 1 il n'y a pas très très longtemps. J'ai beaucoup aimé et à chaque fois que j'allais en boutique, c'est un titre que j'oubliais totalement d'acheter. Donc là, cette fois-ci, j'y ai pensé. Je l'ai pris. Donc c'est The Cradle of the Sea, le berceau des mers de Mei Nagano. Un manga qui change de mes habitudes. C'est un seinen qui est très très bien dessiné. Donc je vous ai pas montré de dessin, mais là je vais peut-être le faire. Mais les dessins sont vraiment magnifiques. C'est un petit peu du même genre que Bright Stories ou que Arte, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. J'essaye de vous trouver un... Voilà. Genre de planche là, on voit un petit peu mieux les personnages, mais enfin graphiquement parlant, c'est magnifique. L'histoire m'a aussi beaucoup plu, même s'il y a des choses dans le premier tome qui m'ont un petit peu fait grincer des dents. Il y a quelques maladresses, mais rien de d'important. Donc je pense aussi que je vous en reparlerai dans mon prochain update graphique, mais c'est en tout cas un très joli titre. Ensuite, je vais vous parler d'un manga particulier qui diffère un tout petit peu des autres et qui m'intéressait aussi pour une toute autre raison. Et donc il s'agit, et il est sorti au mois de mai, de Real Life de Yayoi So. Donc ce manga a la particularité en fait d'être en couleur. Tout en couleur de A à Z. D'habitude on a quelques planches au début, mais là il est intégralement en couleur. D'ailleurs il est un petit peu plus cher, il est à 9,65€. Mais je trouve que ça reste raisonnable. Et ce manga m'intéressait aussi pour son histoire, tout simplement. On y suit un jeune homme qui a 27 ans, qui mène une vie ben, finalement qui lui plaît pas tant que ça et qui diffère de ce qu'il voulait véritablement. Et je ne sais plus comment, en fait, il va se retrouver dans le corps de lui-même, dans son corps de lui-même, mais à 17 ans. Et il va, je pense, essayer de changer un petit peu sa destinée. Et il va retrouver un petit peu tous ses anciens camarades de classe pour le coup. Donc, retrouver un homme qui a 27 ans, qui a vécu plein de choses pendant 10 ans, qui va revenir dans son corps de lui-même à 17 ans. Moi, comme principe, ça m'a beaucoup plu. Donc j'ai vu que Thalissa, donc une blogueuse que je connais depuis un moment, l'a lu. Elle a beaucoup aimé, donc je me dis que pourquoi pas, moi aussi ça me devrait me plaire. Le prochain manga que je vais vous présenter, donc là je sors encore une fois totalement de ma zone de confort. C'est pas souvent que j'achète des shonen, c'est très très rare. Mais là, c'est vrai que c'est un titre qui m'intéressait. Alors la précédente œuvre des auteurs m'intéressait pas tant que ça, même si je l'avais vu en animé, que ça m'avait plu, mais c'est pas vraiment le genre d'histoire que j'apprécie de retrouver en manga. Et donc il s'agit de la dernière série en date de Tsugumi Oba et Takeshi Obata, et c'est Platinum End. Donc la couverture, ça, je sais pas si ça va se voir au retour, j'ai un petit peu de mal à voir tout ça, mais il y a des effets qui ont été ajoutés sur la couverture, et sur la quatrième de couverture, il y a des petits brillants qui ont été rajoutés. Et franchement, ça rend hyper hyper joli. Donc pourquoi cette série-là m'intéresse? Tout simplement parce qu'on va y retrouver notamment des anges. On va y suivre un jeune homme qui s'appelle Mirai, qui décide de se suicider, qui va se jeter du haut d'un building, qui va être sauvé par un ange, qui va lui permettre d'avoir une vie meilleure et d'avoir des pouvoirs, mais il va devoir pour cela combattre. Et donc, il me semble, on va retrouver des personnages qui vont devoir combattre les uns avec les autres, qui sont en quelque sorte les champions des anges. Alors je ne sais pas pourquoi ils font tout ça, il me semble, non c'est pas dit dans la quatrième de couverture, mais en tout cas le principe m'a plu et je me dis oui ça peut tout à fait me plaire. Donc vraiment là je sors totalement de mes zones de confort. Regardez-moi cette image, elle est absolument magnifique. Mais en plus de ça voilà, l'histoire me plaît, mais le coup de crayon de Takeshi Obata me plaît énormément. Ça me... Voilà, ça m'a tout de suite tapé dans l'œil. D'ailleurs, le personnage principal ressemble un petit peu à celui de Death Note. On retrouve vraiment le coup de crayon du mangaka, ça, il n'y a pas de problème. Donc, encore une fois, c'est encore un titre qui m'intéresse beaucoup, que j'espère lire très vite et pouvoir vous en reparler très vite. Un de mes derniers achats manga, pour le reste, ce sera
différent, on va dire. Donc j'ai acheté la sortie qui me faisait le plus envie pour ce mois de mai. Donc c'est Arte, le tome 4 de Kei Okubo. J'en profite pour vous montrer la jolie planche couleur qu'on a au début de ce tome. Et je vais vous montrer encore quelques planches parce que c'est tellement beau, c'est magnifique. J'adore. J'ai pas lu le tome 3, mais c'est un petit peu fait exprès. Je pense que je vais lire les deux tomes les uns à la suite des autres. Et après, je repartirai en dépression en attendant la suite. Bref, voilà, donc Arte, le tome 4. Dans mon dernier bouquin, je vous avais montré ça. Donc l'artbook de Fairy Tail, que je trouve absolument magnifique. Rapport qualité-prix, il n'y a aucun problème. Et donc j'avais envie de tester un artbook One Piece. Donc j'ai trouvé le premier en occasion, ça tombait bien, en plus c'était le premier. Donc c'est One Piece, le Color Walk, le 1, et voilà. Et là, je vous avoue que j'ai été très déçue par le contenu. C'est un artbook qui fait moins de pages que celui de Fairy Tail, donc là je vais comparer honteusement. Celui de Fairy Tail a plus de pages, celui de Fairy Tail coûte 14,95 et celui de One Piece coûte 23,45. Ils sont tous à ce prix-là et je trouve que c'est abusé au niveau du prix. Donc le premier c'est peut-être pas le mieux au niveau des illustrations, c'est vrai qu'elle date, mais ça me dérange pas. Mais j'ai trouvé en fait la mise en page pas forcément réussie, on a quelques planches en fait. Avec ce type de fond, une image et un fond de carte, je trouve pas ça hyper joli. Il y a quelques planches qui sont réussies, mais globalement, je trouve pas cet artbook d'une qualité hyper incroyable. Après, je suis quand même contente de l'avoir acheté parce que ça touche totalement à l'affectif. J'aime beaucoup cet univers, j'aime beaucoup ce manga, enfin plus l'animé parce que le manga, je n'ai pas forcément envie de l'acheter, c'est trop long. Mais vraiment au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, c'est vraiment un manga que j'apprécie beaucoup. J'essaye de trouver une autre planche sympa, mais globalement voilà, je suis assez déçue des illustrations qui ont été choisies, de la mise en page. Il y a très peu de planches qui prennent toute la page, il y a toujours des fois des choses qui servent pour moi à rien. Voilà, comme ce genre de page là, pour moi c'est totalement inutile. Et puis à la fin, bon, on a une interview du mangaka, il y a des choses intéressantes, mais bon... La mise en page, franchement, fait assez cheap. Donc oui, certes, c'est sorti il y a un moment. Mais voilà, je reste quand même déçue. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les essais, en fait. Ça aussi, j'aime bien. Les essais qui ont été faits avant que les personnages deviennent ce qu'ils sont finalement. Donc voilà, on retrouve des personnages qui ont un look totalement différent. Donc c'est plutôt pas mal. Mais globalement, ouais, je suis assez vraiment, vraiment déçue des illustrations. Regardez ça, franchement, c'est ce genre de mise en page-là, pour moi, j'aime pas du tout, du tout. Bref, donc si vous avez envie de vous lancer dedans, sincèrement, trouvez-les en feuilletant si vous pouvez dans les librairies quelque part, feuilletez-les avant pour être sûr. Donc là, j'ai pas pris de risque parce que c'était d'occasion, j'ai dû le payer une dizaine d'euros. Mais c'est vrai que si vous avez moyen de regarder à l'intérieur, n'achetez pas forcément ça les yeux fermés. Voilà, donc moi j'ai pris le risque en toute connaissance de cause. Parce que c'était d'occasion. Si ça avait été neuf, je pense que j'aurais été dégoûtée clairement. Parce que pour moi, ça coûte trop cher pour ce que c'est. Je trouve que du coup, Pika a fait un meilleur travail que Glénat. Donc je ne sais pas si ça correspond à ce qu'on trouve au Japon. Si c'est la même mise en page ou quoi que ce soit. Mais voilà, même si ça colle à la mise en page japonaise. Pour moi, c'est pas un artbook hyper joli. Il y a beaucoup mieux dans le genre. Et bref, voilà, donc... C'est que mon avis, mais je reste quand même plutôt contente d'avoir fait cet achat. Et pour finir, en fait, je voulais vous montrer les dédicaces que Nora Moretti m'a faites, puisque j'ai enfin pu la rencontrer. Ça fait un moment que je vous saoule avec cette illustratrice, que j'apprécie énormément. Je rêvais de la rencontrer depuis des mois, et là je suis tellement contente d'avoir pu la voir. Je remercie encore une fois ma copine Alexielle d'avoir pu m'emmener, d'être venue avec moi, elle en a profité aussi. Parce que sans elle, j'aurais eu bien bien du mal à aller la voir. Mais j'étais tellement contente de la voir. J'ai pu un petit peu discuter avec elle. J'ai pu me faire deux dédicaces. Il n'y avait pas grand monde vu que c'était un petit salon. Mais en fait, on y allait le dimanche aussi. Donc il y avait, je pense, moins de monde que le samedi. Mais enfin, je suis tellement contente si vous saviez. Et donc je vais vous montrer ça même s'il y a eu des photos sur Facebook, sur Instagram. J'en ai foutu partout.
Et j'ai aussi acheté, donc elle proposait cette illustration-là, qui est une illustration faite pour un événement spécial, donc qui est distribuée notamment, enfin vendue dans les salons. Voilà, c'est pas une illustration que vous pouvez retrouver en carte, je sais pas, dans un album, ou que vous pouvez l'acheter quelque part, non. Donc ça, c'est l'illustration qu'elle a faite pour le Noël dernier, donc Noël 2015, qui est magnifique, voilà, comme d'habitude. Et je vais vous montrer donc celle que j'ai faite en deuxième, parce que la première, c'est celle que je voulais le plus, celle que je rêvais de lui demander. Et donc voilà, celle que je lui ai demandé, c'est celle-ci, la deuxième. C'est Becky en habit steampunk. Donc j'espère que vous voyez bien. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut lui demander ce qu'on veut en fait. Après, elle dit oui ou elle dit non. Mais n'hésitez pas, si vous la rencontrez, à lui demander voilà, des personnages dans des habits différents, dans des situations différentes. Parce que voilà, si elle a la possibilité de vous le faire, elle vous le fera. Et voilà, c'est absolument. Mais je suis totalement amoureuse, mais l'autre, c'est vraiment ma préférée. Et d'ailleurs, faut que je mette les photos, faut que je lui donne sur Facebook. Bref, donc c'est Sarah. Je lui ai demandé Sarah en sirène. J'adore les sirènes. Et là, pour moi, c'est une dédicace que j'ai toujours voulu lui demander si j'avais l'occasion de la rencontrer. Et voilà, elle me l'a faite. Et bah, enfin, pour moi, ça se passe de commentaires, mais je suis tellement amoureuse de cette illustration que je vais chérir cet album jusqu'à la fin de ma vie, que si un jour il y a un incendie dans mon appartement, c'est le seul. Si je devais choisir un seul livre, ce sera celui-là. Voilà, donc là, elle me l'a fait avec grand plaisir. Quand je lui ai demandé ça, en fait, elle a adoré la demande parce qu'elle adore les sirènes. Elle a un projet comme ça de BD avec des sirènes qui se fera peut-être un jour, puisqu'elle est quand même pas mal accaparée avec Princesse Sarah. Voilà, donc voilà, je me répète, mais j'étais mais sur un nuage, mais je flottais limite au-dessus du sol. Bref, c'était une excellente après-midi. C'est pas souvent que je dis ça, mais j'ai réalisé un rêve. C'était vraiment une des rares dédicaces que je voulais le plus. C'est vrai que je suis pas forcément attachée à tout ce qui est dédicace, mais il y en a certaines qu'on a envie comme ça et qu'on va chérir comme ça pendant très longtemps. Mais voilà, je suis très 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 contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Je suis toujours très heureuse de lire ce que vous prenez le temps de m'écrire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!